waiting for you. We thought you would never get here. What happened to you, Paul? Sylvie? Je parle pas plus l'anglais que toi. Il y a une demi-heure qu'on est là. Qu'est-ce que tu fabriquais? J'ai eu un accident, c'est tout. J'étais dans le taxi, puis juste au coin, là, le corner de la rue, via Carelli, les... Bang! Les deux voitures, tu sais, et puis là, toute l'aile était crac, à tout arraché. Les deux chauffeurs qui ont commencé à s'insulter. Alors moi, j'ai... Voilà, là, c'est... Alors j'ai dû trouver un autre taxi, c'est pour ça. C'est pour ça quoi? Quoi? Je suis en retard. J'ai dû marcher, je sais pas combien de temps, du château Saint-Ange à la Piazza Venezia pour trouver un autre taxi. Alors, long walk, pas longtemps alors. Et alors? D'ailleurs, je m'en fous. Ton histoire m'intéresse pas. Finalement, si, ça m'a pris 20 minutes. Je ne me crois pas. On verra ça après. Je vais faire un tour. Je me reviens. Qui est aussi la situation sociale. Le drame de Paul, c'est d'être un intellectuel qui a au fond a peur quand même des puissants et surtout qui aime une femme qui est d'une extrême beauté, bon, ça, c'est évident, et en plus c'est évident dans le film, et qui est au fond se sent indigne d'être aimé par une femme comme ça. C'est pas possible qu'une femme comme ça m'aime. Bon. Et qu'il n'a au fond pas la confiance en lui, en tant que... Dans, pas dans sa virilité, c'est pas tellement ça, mais dans sa conception et surtout dans son talent ou son génie. C'est quelqu'un qui, au fond, est un faible. Et elle ne peut pas accepter cette faiblesse. Alors que elle est toute simple, c'est une dactylo et elle aime bien, quoi, c'est tout. Elle aime bien l'homme, il est sympa, il est tout ce qu'on veut, et il y a un grand amour, bon, puis d'un seul coup, le grand amour, il y a, bon, le mépris s'installe, et à ce moment-là, un autre sentiment s'est emparé des personnages donc du film, et ce sentiment-là, évidemment, est destructeur. Donc, pourquoi est-ce que tu ne me réponds pas à lui rester les bras en bas? Tu as l'air... Pourquoi est-ce que je me suis marié avec une dactylo de 28 ans? C'est vrai. Je te demande pardon. Moi aussi. Vas-y, toi, Paul, à Capri, si tu veux. Moi, j'ai pas envie. D'ailleurs, j'aime pas ce type. Merci. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était, ça s'appelle le mépris, oui, bien sûr, à un moment arrive le mépris, mais on a l'impression qu'il arrive parce que aussi, elle est très belle, elle est magnifique, et elle a besoin que cet homme la protège de cette beauté qui, on comprend que c'est pas facile pour elle de porter cette beauté, le regard des autres hommes sur elle, ce qu'on retrouve un peu dans La Vérité d'Henri-Georges Clouzot. Je oui, mais justement, dans La Vérité, ça devient une dramaturgie. Voilà. Alors ouais. Que là, c'est la chose. Elle est exceptionnelle. Bon.
Oui. Et c'est pas simple, c'est pas simple à être exceptionnel. Et bon, ça c'est une chose. C'est vrai qu'on est épaté de Godard. Évidemment, la met vraiment en valeur. Elle est déjà belle naturellement, mais là, il en fait quelque chose d'absolument incroyable. Ensuite, ce que je trouvais intéressant, c'est le travail de la couleur. C'est-à-dire que le rouge, on le voit beaucoup dans le premier tiers. Dans le deuxième, il disparaît un peu, justement, dans le deuxième tiers du film, où on n'a plus que des bleus, des jaunes, des orangés. Et j'ai beaucoup aimé aussi la présentation du générique, avec la fin de la présentation, la caméra qui fait un regard caméra. Ah bah, c'est-à-dire que l'idée du générique, c'est une perpendiculaire, déplacement dans l'espace. Déplacement dans l'espace, on vient de loin. Venez avec nous, madame, on les laisse discuter. Non, je rentrerai à pied avec mon mari tout à l'heure. She's going with her husband. Oh, come on. You spend all day with him, come on. Monsieur Foucault, je dis que vous êtes toute la journée avec votre mari. Paul. You mind if your wife comes along with me? Est-ce que ça vous ennuie que votre femme vienne avec nous? Non, pas du tout, vas-y, Camille. Vas-y. Vas-y, Camille. Vas-y. Moi, je vais rentrer à pied avec Monsieur Lang, nous allons parler de l'Odyssée. Peu à peu, ce qu'elle peut ressentir, et l'attitude de Paul est une attitude justement quand même de faible. Donc elle lui reproche sa faiblesse, elle lui reproche d'être faible. Elle lui reproche, elle le sent. Moi, je trouve c'est une des plus belles scènes d'amour, contrariée, d'accord, mais une des plus belles scènes d'amour de l'histoire du cinéma. C'est magnifique. Et en plus, le père en deux personnages. Uniquement pendant une demi-heure sur ce thème-là, il faut le faire. Hein. Pourquoi est-ce que tu ne m'aimes plus? C'est la vie. Pourquoi est-ce que tu me méprises? Ça, je te le dirai jamais, même si je devais mourir. Dis-le-moi ou je te fais mal. Pourquoi tu veux me faire mal en plus? Parce que je veux savoir pourquoi tu me méprises. C'est insensé tout de même. Je sais pas pourquoi tu veux que j'accepte quand même. Parce qu'on a besoin de cet argent pour payer l'appartement. Je tiens pas à recommencer à dactyler. Je vais t'en accepter après ce qui s'est passé. Évidemment, alors tu me méprises. J'avais embrassé Stiflet, t'étais prêt à changer d'avis quand même. Si j'ai refusé ce travail, c'est pour toi. C'est à cause de toi pour que tu changes d'avis sur moi. Ne me touche pas. Je ne t'aime plus. Il est impossible que je t'aime de nouveau. Même si je refuse, tu continueras de me mépriser? Oui, je continuerai. Pourquoi? Dis-moi pourquoi, Camille, il y a bien une raison. La raison, c'est toi. Comment, moi? Je sais pas, moi. Tu es pas un homme. De toute façon, c'est trop tard. J'ai changé d'avis sur toi. Je sais pourquoi tu me méprises. Avant-hier, quand tu es venu me chercher et que j'ai pris le taxi, tu as cru que je faisais exprès de te laisser partir dans sa voiture? Hein? Et tout à l'heure, tu as pensé la même chose sur le bateau? Complètement idiote. Des milliers de défauts, mais pas ça. Je te pardonnerai jamais. Je
t'aimais tellement. Maintenant, c'est impossible. Je te déteste parce que tu n'arrives pas à m'attendrir. Si tu as envie de pleurer,